Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live sur Song of Aurore. Pour l'épisode 2, on s'était laissé la dernière fois. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, on avait réussi à retrouver la personne qui s'était fait kidnapper, entre guillemets, qui était elle dans un sous-sol. Et la porte s'était fermée, on ne sait comment, derrière nous. Et il se trouve que après avoir tué l'ensemble de nos personnages, nous avons réussi avec le dernier, dans un dernier élan de réussite, nous avons réussi à terminer l'épisode 1 en 4 heures, 5 heures, je pense. Si je me souviens bien, il est 22 heures à l'heure où on commence cet épisode. Donc j'espère qu'on aura fini avant 3 heures du matin. Parce que sinon ça voudrait dire que j'aurais galéré encore énormément. Yo Ingrid, comment vas-tu? Donc, bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire let's go. L'épisode qui s'appelle Étrangement Calme, on est à l'épisode 2, on le lance. Je l'ai eu hier, je l'ai installé hier. Donc on va pouvoir du coup le faire tranquillement. Voilà, bah moi écoute, je vais bien. Je n'ai pas mangé, mais je mange des schtroumpfs. Donc voilà. Ah oui, c'était la fin du. C'est la fin du premier épisode. It appears as though the Prince of Slumber will be granting us an audience. How are you feeling, Your Highness? My head. I had a dream. I'm okay. Thanks for coming, Lydia. You had us all on tender hooks. When I found you. My God, oui, il s'appelait Daniel. I'm glad to see you awake. So, I'm better. I'm fine. By the way, I found a note at the Husha house. It... Daniel, the doctor said you need complete rest. Complete. I'm fine, really. Bah bravo. Apparently, Husha received a music box from an acquaintance of his, a certain Mr. Farber. It seems as though he was researching the music box when he vanished. And from what Faber says, the music box may be related to everything that is. Je trouve que les voix dans les jeux d'horreur ou dans les jeux indépendants, ils ont tous la même tonalité, la même intonation. I saw the box that Faber describes in this letter. Je sors de la prison, bah eh oh. Bon, FF8, je sauvegarde et je suis pleinement en live. Ah, d'accord. Bah, il faut arrêter d'aller en prison, Ingrid, hein, c'est pas bien. In the city, not far from here. Daniel, please. I'm fine, really. I think going to a shop and asking the owner a few questions falls within the range of what we can do, don't you? Ok, donc on va aller poser des questions à un mec qui apparemment c'est à lui qu'on a acheté la boîte à musique, si j'ai bien compris. Qu'il l'a acheté avec d'autres antiquités, d'accord, ok. Donc si j'ai bien compris, c'est... il faut aller... Alors par contre, est-ce qu'on a encore les personnages qu'on avait la dernière fois? Non, c'est d'autres personnages. D'accord. Donc lui déjà, il a une arme de service. On va pas le prendre tout de suite. Parce que il faut quand même penser à un truc, c'est que... Je peux crever. Je peux faire crever mon personnage. Donc... Elle a 40 ans, c'est un truc important. Elle a 24 ans, elle a une radiocassette. M'aide à me concentrer et à me rappeler que je suis qui je suis. Ok, vas-y. On va prendre elle. Lecteur cassette, porte-bonheur, objet à collectionner. Personne ne sait qui les a aspirés. Ah, pas d'objet à collectionner. Ah si, je peux avoir des trucs. Ok, bon, allez, vas-y. Let's go. Il donnait des bonbons. Ah ok, c'est pour ça que t'es allé là-bas. J'ai choisi un personnage. C'est peut-être pas forcément le meilleur personnage qu'il fallait choisir. Mais au moins, j'en ai choisi un, quoi. C'est bien parce que toutes les vidéos ont été faites avec tous les personnages, quoi. Ça, c'est ouf, ça. Une dinguerie, ça. C'est pour ça qu'il y a un épisode chaque mois. Il me semble que l'épisode 3 sort en décembre, donc ça va, on n'est pas trop... Oh putain, il est en... Ok, c'est vrai qu'on est en WASD, ça c'est super.
Oh, que papa a encore laissé les clés dans le pot de fleurs, tant mieux parce que j'ai oublié les miennes. Ah, bah super. Bah voilà. On a déjà réussi à trouver des trucs intéressants apparemment. Les gens nous connaissent bien. C'est un peu abusé la fréquence à laquelle on commande à emporter. Ah ouais. Apparemment on commence bien hein, parce qu'on a déjà réussi à trouver les clés pour rentrer à l'intérieur. C'est verrouillé, je dois trouver la clé. Mais je l'ai la clé. Faut juste que je retrouve. Ok, d'accord, c'est bon. Faut que je me réhabitue aux touches hein, parce qu'elles sont un peu spéciales en WASD. Donc, c'est la canne de papa. Le parapluie appartient à Monsieur Roman. Il l'oublie tout le temps. D'accord. C'est vrai que je peux faire clic droit pour entendre. Ok. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'il faut que... Bouah! Oh là, tu m'as fait peur. On a encore eu de la chance. Oh, épisode 2. Étrangement calme. Voilà, d'ailleurs, le petit... cintre qui fait... qui bouge tout seul, on adore. Ok. De convaincre papa de me laisser offrir ses masques en guise de costume. Nous avons réussi à diversifier notre clientèle, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. D'accord, donc elle, c'est la fille du gérant du magasin. Après quelques réparations mineures, ce télescope sera comme neuf. Note pour moi-même, appeler quelqu'un pour l'examiner. D'accord. Comment vas-tu, WainoTP? La vieille machine à prédiction, je dois insérer une pièce spéciale. Je veux récupérer un message. Qui sait où sont ces jetons? Ah d'accord. Donc après je vais devoir essayer de trouver quelque chose qui me permettra de d'ouvrir ce truc. Super. Je ne la trouve pas, je ne me souviens pas où j'ai mis cette putain de boîte à musique. Je croyais que je l'avais laissée avec le reste du lot ou pas. Oui, autrement où peut-elle être? Oula, j'ai du mal à parler, ça va être fun ce live. Dans ce lot, il y avait aussi une garde-robe avec des taches de sang. On l'a mise dans la cour et on l'a traînée jusque dans l'une de nos salles de stockage dans la cave. Mais dans laquelle l'a-t-on mise? Je ne me souviens même pas de sa forme ni de sa couleur. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourrais-je révéler le sang laissé derrière moi? Ou je vais devoir acheter du luminol? Pas vrai? C'est ce que la police utilise. Peut-être que de cette façon, je pourrais retrouver le lot de produits que contient la garde-robe et la boîte qui va avec. Sébastien dit que je dois la rendre à ses propriétaires, la famille, le grand Habsbourg. Si j'y parviens, est-ce que cette folie s'arrêtera? D'accord. Alors par contre, comment je fais pour arrêter? Ok, c'est... ça échappe. Yo, WainoTP, comment vas-tu? Apparemment, Song of Horror, ça vous plaît, hein. Ok, donc là, du coup, j'ai un cintre... Certainement pas, d'accord. Donc j'ai récupéré un cintre, c'est pas mal. Comment je fais déjà pour ouvrir mon inventaire? C'est pas ça. Comment je fais pour ouvrir mon inventaire? E, F... Bah non, non, rallume, rallume. Elle a rallumé, là. Mais non. Voilà, c'est bon. Alors, des livres d'histoire de l'art allant de Grèce au mouvement artistique d'avant-garde du XXe siècle. J'en ai feuilleté quelques-uns, mais ce n'est plus un loisir, c'est plus le loisir de son père. D'accord. Je crois que je pourrais rentrer là-dessous en forçant un peu. Bah vas-y. Ah ouais, faudra que je me cache en dessous là. Ok, donc tout à l'heure, faudra que je me cache là. Ok. Galerie, porte fermée pour rentrer et demander au comptoir. D'accord. Qu'est-ce qu'on a par là? Par là, on a d'autres trucs. On verra tout à l'heure. On n'a pas fini encore d'y regarder ici. Bon, c'est le genre de jeu très lent. Hein, donc, faut tout regarder, tout fouiller. Donc, c'est pour ça que je prends mon temps. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va avancer. C'est là que nous conservons nos copies de traités internationaux. Il se trouve même là des traités de Paris signés en 1815 après la bataille de Waterloo. Ok, d'accord. Ok. Appareil photo. Oh, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Une trousse musicale du 18e siècle, d'accord.
C'est pas forcément ultra intéressant. Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est où se trouve... comment je fais pour ouvrir mon inventaire. Okay. Il y a quelque temps, j'ai donné l'un de ces romans classiques à mon petit ami. Il s'est endormi en le lisant. Merde, mon gars. Ils ne sont pas si ennuyeux. Bah, apparemment, si. On va se dire bonjour pendant une heure à ce rythme. L'ancien tiroir caisse est vraiment en harmonie avec l'ambiance de cet endroit, mais c'est vraiment difficile de l'utiliser. D'accord? Et cet interrupteur ouvre la porte de la salle d'exposition, mais il me faut une poignée pour l'allumer. Ah ouais, truc pas chiant quoi. D'accord, faut que je trouve une poignée. Est-ce que je peux monter? Apparemment, je peux monter. Alors, j'ai déjà entendu des bruits chelous. Hein. Je sais pas si c'est moi, mais... Une copie du traité de Tordesillas, oula. Espagne, Portugal, nanana, ok. Là, il y a un jeu de dames ou un jeu d'échecs. Ça dépend le délire. Là, il y a un truc. Voici une édition d'ouvrage, d'accord. Ça commence à... Ah, on est dans l'ambiance, là, hein. Si je rentre sur la table et que je prends un air sérieux, est-ce que quelqu'un m'achètera? Je suis fatigué, que ça ne dérangerait pas d'être une décoration. Ah bah écoute, on peut s'arranger. Usher adore ses gramophones. Je ne sais plus combien il en possède déjà. Est-ce que quelqu'un a mis quelque chose dans la bouche du samouraï? Allez. Coquillier dans la bouche du samouraï, c'est un peu brillant. Est-ce que je dois le prendre? Ah oui. Comment? Oh non, c'est bugué. Ah ok, non, c'est avec la souris. D'accord. Oh, un jeton en métal que je peux utiliser exactement en bas. D'accord. Je peux l'utiliser en bas, du coup. Cool. Waouh, papa perd vraiment la tête à un moment. C'est quoi cet énorme cadenas? Ok, donc là on a un cadenas de malade. On reviendra plus tard. J'ai rien pour le péter par hasard. Peut-être le cintre que je peux péter. Je peux utiliser le cintre? Non. Okay. C'est le fameux Song of Horror. Eh oui, c'est le fameux... fameux Song of Horror. On n'entend rien, mais je vais aller voir plus... Je verrai ça plus tard. On va déjà aller ici, utiliser la pièce qu'on a récupérée juste au-dessus. Ça nous permettra peut-être d'en savoir un peu plus sur certaines choses. Ça va aller ma pièce. C'était pas forcément obligé. Voyons ce que l'avenir nous préserve. Vous avez oublié quelque chose? Alors attendez. Vous avez oublié quelque chose, souvenez-vous et vous serez banni. D'accord. J'adore ma vie. Hop là. Ouh, il y a de la lumière ici. Mais dites-moi, c'est que ça me paraît un peu grand quand même. On va repartir parce que c'est un peu grand par ici. Ok. On va aller là-bas. On va aller là. Regardez un peu ce que ça nous propose. Un mannequin, on s'en fout. Une guitare. Que fait ma guitare ici? Il y a de valise. J'en raconte des histoires. Là, il y a un canon. Oh. Ok. Il y a énormément de choses, hein. Énormément de choses ici. Un peu perturbant. On a une armure. Là, on a des toilettes. Je peux aller dans la salle. Il y a même un fusil. Ok. Oh, regardez. J'ai l'impression que... Non, je peux rien faire avec. Ok.
Donc il y a une porte exit pour s'exciter et une porte toilette pour se toiletter. Un flacon pulvérisateur. Le flacon pulvérisateur qui semble avoir autrefois contenu des substances dangereuses. Ok. Et au-dessus, okay, miroir qui a explosé. Super. Comment j'ouvre mon inventaire déjà? Je ne sais plus. Appuyons sur toutes les touches. Et ça passe ça. I. Ah mais c'est I, tout simplement. Regardons un petit peu ce qu'on a. On a une clé épaisse hein, qu'on a déjà utilisée. Message 1 de Coltar. On peut en avoir plusieurs apparemment. Ok, je peux pas genre démonter ce truc. Ah mais attendez. Non. La prison est plus grande que ce que je me rappelais. Ah, sur Final Fantasy. Alors par contre, ce qui va être chiant, c'est vraiment que je peux pas mettre le jeu en QWERTY en fait. Enfin, je peux pas mettre mon clavier en QWERTY. Ah mais il y avait une autre porte. J'avais oublié qu'il y avait une autre porte. Du coup, je suis obligé de jouer en AZERTY pour QWERTY, quoi. C'est un peu relou. Cette porte mène à la cour. Ok, donc déjà, je peux pas y aller. C'est pas grave. Du coup, je suis obligé de monter. Je suis obligé de monter et d'aller... Bah, la porte est fermée, hein, clairement. Il y a une porte, là, j'avais pas vu. Heureusement qu'il n'y a pas encore de méchants, parce que je serais mort, hein, clairement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Cher Isaac, je suis navré d'apprendre que vos problèmes d'insomnie, si ça peut consoler, j'ai moi-même souffert du même mal récemment, peut-être à cause de la relecture permanente de mon roman. Le mec, il s'aime tellement qu'il lit son roman H24, quoi. C'est incroyable. Yo Rémi, comment vas-tu? Yo Miniboos, comment vas-tu? Si la qualité pouvait être mesurée en temps investi, ça devrait être une des meilleures œuvres. Mais je doute que ce soit toujours le cas. Malgré tout, j'ai trouvé un peu de temps pour examiner votre mystérieuse boîte à musique. D'après la sculpture et le bois, je suis certain qu'elle provient d'Europe. Elle doit dater de la fin des années 90 au début 80 du 20e siècle. J'ai aussi remarqué son incroyable qualité. C'est peut-être un objet de luxe à cette époque. Eh bien écoute, merci hein, d'avoir analysé ça pour moi, c'est très gentil. Est-ce qu'on a d'autres? On n'a rien d'autre apparemment. Peut-être un disjoncteur, des tableaux... Ouais, cette salle ne sert à rien. Ça va et toi? Bah écoute, moi je vais bien, moi toujours, écoute. Je vais toujours bien. Je dirai peut-être pas ça dans quelques minutes. Quand l'horreur aura commencé. Étant donné que c'est quand même le principe de base du jeu, quoi. Mais C'est pas grave. Alors, je peux aller là? Elle est verrouillée de l'intérieur, ok. Bon bah apparemment je peux pas y aller. Ah mais il y a de l'eau, ça va éteindre mon briquet. Non, qu'est-ce que tu fais là? Redescends. Oh my god. Bon ça elle est verrouillée. Moi je fais quoi moi du coup? Ah ouais, ça commence bien en fait. Je peux rien faire. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Okay. Bon, ok, donc ça commence bien. Je sais déjà pas ce que je dois faire. J'ai récupéré plein de trucs. Ok. Épaisse, d'accord. Y'a pas un endroit que je suis pas allé encore. En à gauche là, non, ça je suis déjà allé. Ok. Ah. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a encore toujours ce truc, hein. Il faut que j'arrive à comprendre comment péter ce cadenas. Mais c'est vraiment pas... Est-ce que je peux utiliser ça?
Non, je peux pas l'ouvrir avec ça. D'accord. Et je présume qu'il n'y a aucun autre moyen. Non, je peux pas utiliser ça non plus. D'accord. Donc, il doit y avoir un truc intéressant dedans. Je ne sais pas encore ce qu'il peut y avoir dedans. Ok. Apparemment, je vais pouvoir encore récupérer d'autres boules, hein, comme j'ai pu voir. J'ai des clés pour rentrer ici, mais en vrai, là, pas trop ce qu'on doit faire. Plein de trucs partout. J'ai pas analysé ce truc. D'accord. Il a dû fermer la clé. Bah c'est qu'on serait pas déjà perdu alors qu'on est qu'au début du jeu, c'est incroyable. Ok. Je vois pas ce que je dois faire. D'habitude, c'est assez bien montré, mais là. Là je vois vraiment pas. Je tenterai pas de sortir pour voir. Ok. On va sortir pour voir un petit peu ce qu'on a à l'extérieur. Quand on aura commencé à clipper, surtout. Claire. L'extérieur, on n'a pas grand chose. Hein. On n'a pas grand chose. Et je suppose que je ne peux pas sortir. Non, je peux pas sortir, d'accord. Ok. Regardons un peu ce qu'on a comme item. Déjà, ça, je présume que je peux rien faire avec. Qu'est-ce que c'est que ça, déjà? Non. Donc ça, c'est les trucs que j'ai récupérés dans l'ancien truc, je crois. Changer de IQ. Ok. Faut les combiner. Non. Ok, bon. Pof. Ah, il y a un truc là. Peut-être pas regarder. Ah non. Bon, la canne de son père est là. Apparemment, son père doit être pas trop loin. Ce qui me perturbe, c'est de savoir où est-ce que je dois aller en fait. Changer d'étage. Je vois qu'il y a des trucs que je peux utiliser. Donc là, à ma droite, je peux utiliser en gros ce qui correspond à la machine qui me permet de donner des présages. Devant moi, il y a le bouton qui permet d'ouvrir à gauche là le bouton pour la galerie. Au-dessus, c'est le cadenas, mais que je ne peux pas aller. En haut, là, il me faut une clé. À droite, là, normalement, il y a une porte, mais elle est fermée, donc je peux pas y aller. Alors là... C'est l'hécatombe la plus totale. C'est l'hécatombe la plus totale. J'ai dû rater quelque chose. Quelque part. Je peux pas récupérer le flingue et je pète les trucs. Ça marchera pas, ça. Non. Donc là, c'est vraiment... C'est la clé... C'est quelle porte, ça? Ah oui, c'est l'appartement de son père. Ok. Et là, j'ai récupéré, du coup... un dispositif de vaporisant. À quoi ça peut me servir? Là, on commence, là. Hein. Là, de toute façon, c'était sûr qu'on allait passer... beaucoup de temps sur ce jeu à comprendre les énigmes, c'est sûr en fait. Donc attendez, qu'est-ce qu'on a là-bas?
Quoi? Ah non, c'est de l'autre côté, ça? Ok. Ok, d'accord. En fait, ce que je comprends pas, c'est... Parce qu'on est d'accord que je monte des escaliers de l'autre côté. Mince. Voilà, je monte des escaliers. Il me faut une poignée. Ouais, ça j'avais compris, merci. Une poignée. Ah, attendez. Non. Là, ça commence fort, ça commence fort. On est d'accord que ici, je ne peux rien faire. La porte est fermée ici. Et en fait, la porte est fermée, quoi. Et là-bas, on a une porte complètement fermée, il nous faut une clé. Ok, je suppose que même avec ça, ça ne marche pas. C'est la salle de stockage, ok. D'accord. Pouf, pouf, pouf. Réfléchissons. On est d'accord que par là, il n'y a rien. Par là, il n'y a rien. Ça me perturbe parce qu'on vient à peine de commencer. On est déjà perdu, quoi. Enfin, on sait déjà pas quoi faire. Ça me perturbe un peu. Je me dis, mais ça va être l'hécatombe, hein, plus tard. Sur la porte, il y a un truc sur la porte. Ah, il y avait un truc sur la porte. Sur quelle porte? En bas? Ah oui, non, c'est pour en fait c'est pour plus tard, c'est pour écouter en fait. Parce qu'après il y a des portes, faudra pas les ouvrir quand il y aura du son derrière. Là, il y a un truc. Non. Putain. Est-ce que je dois... Il y a vraiment ce cadenas, là. Et la clé, en fait, elle me sert juste à ouvrir la porte du magasin. Ok, donc la clé déjà elle me servait juste à ouvrir la porte du magasin, donc on fout un peu maintenant. Là j'ai un Walkman. Ok. Ça en vrai, je dois pouvoir peut-être faire quelque chose. Un cintre en fil de fer. Est-ce que j'ai pas moyen? Genre de pouvoir le couper ou une connerie dans le genre. Je pourrais facilement le plier si je voulais. Bah vas-y! Comment je fais? Comment je fais pour qu'elle le plie? Cette grognasse. Comment je fais pour qu'elle le plie? Je dois avoir oublié des trucs de gameplay, hein. Tutoriel. Attendez, tutoriel. Écoutez aux portes, explorer la porte, les obscurités, la perte de... Ah, y a que ça comme tutoriel? Même pas un document et objet. C'est tout? Super. Pas un endroit où il y a les touches. Ça c'est un truc qui manque encore hein, dans le jeu. Va falloir rapidement mettre quelque chose. Donc il me faut quelque chose pour plier mon objet apparemment.
Parce que... je peux facilement le plier. C'est bien beau de me dire ça, mais... c'est bien beau de me dire ça, quoi. J'ai raté quelque chose ici. On devrait numéroser les trucs. Il y a forcément quelque chose à faire. Hein. Parce qu'il me dit, je pourrais facilement le plier si je le voulais. Bah vas-y, fais-le. Ça ne marcherait pas. Pourquoi ça ne marcherait pas? Je peux le savoir. D'avoir un endroit où je pourrais plier. Ah mais attendez! Est-ce que par hasard, je peux utiliser les dents du samouraï? Alors là on part loin. Là on part dans un delayer, mais on va tenter. Est-ce que déjà lui... attendez, est-ce que lui je peux utiliser mon cintre? Ah non, ok. Donc est-ce que je peux utiliser mon cintre sur le... sur le samouraï, ce qui me permettrait de pouvoir plier mon truc. Non, ok, je ne peux pas. Je peux pas faire ça, d'accord. Donc déjà, c'est pas ça. Donc c'est pas grave, hein, on va faire autrement. Hop. Ok. Oh, j'ai zéro idée, putain, c'est un truc de ouf. Waouh, eh, c'est dur. Hein. Vous aussi, vous avez zéro idée comme moi. Parce que moi, c'est l'hécatombe là. Hein. Clairement, clairement, quoi. Inspecte l'armure, peut-être car elle est pas là pour faire joli. Car l'armure, celle-là, là. Il y a une armure quelque part, là. Celle-là, là. Mais je l'ai déjà inspectée. J'ai déjà inspecté, en fait. Je vais retourner en bas. J'ai raté un truc. Hein. Clairement là. J'ai raté quelque chose. C'est sûr. Là j'ai tout fouillé, c'est sûr. Ouais, ça a l'air d'être sûr. Ça a l'air d'être plutôt... plutôt sûr. On ressort. Vraiment, genre... ah, ce que je trouve bizarre, c'est ça. Pourquoi j'ai ça? Je peux vraiment rien faire avec. Ok. Peut-être un moyen, genre quelque part, je dois nettoyer quelque chose. Parce que... merde. Regarde un peu, là j'ai des points blancs. À quoi me sert ces points blancs? Qu'est-ce que c'est ces points blancs là? Je sais pas ce que c'est les points blancs sur ma carte. Ça peut être. Là je suis pas sur un point blanc. Là il y a un point blanc. Ah c'est peut-être les pylônes. C'est les pylônes. C'est quoi un flacon vide? Là ouais. Là, c'est un pulvérisateur. Ah, mais attends. David, il pourrait m'être utile pour transporter du liquide. Quel genre de liquide? Est-ce qu'il y a un endroit, quelque part, où je peux mettre du liquide? Réfléchissons.
Peut-être que je peux faire couler de l'eau. Non. Peut-être mettre du liquide des chiottes. Non. J'essaye. C'est pas le liquide des chiottes apparemment qu'on peut mettre dedans. Donc c'est autre chose. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a un liquide? 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 Il y a une clé quelque part, hein, mais je sais pas où elle est. Là, ça, j'ai pas fouillé ça. Est-ce que je peux... Non, y'a rien. Je peux mettre un liquide dedans. Un petit liquide. Qu'est-ce qu'on a comme liquide? On a comme liquide que je peux mettre dedans. T'as pas une clé sur toi? Si, mais c'est la clé pour rentrer dans le magasin, donc c'est pas pour ici. Pas du tout pour ici, donc... Donc c'est pas ça. Je peux rien faire? Non. Putain, c'est perturbant de ouf, quoi. C'est perturbant de ouf parce que tu te dis, il n'y a pas grand-chose qui manque. Faut juste savoir où se trouve cette putain de clé, quoi. Me cacher sous la table. Il y a l'autre qui dit ouais, je pourrais plier facilement mon cintre, mais apparemment elle veut pas, donc elle veut pas plier le cintre. Moi j'y peux rien, moi, si elle veut pas plier le cintre. Pas ouvrir parce que elle casse la tête là. Je comprends pas, c'est pourquoi elle me dit je pourrais le plier facilement si je le voulais, mais qu'elle le fait pas. Tu vois, genre, elle pourrait le faire. Pourquoi elle le fait pas? Attendez, la boule de voyance là. Est-ce que je peux faire quelque chose avec? Je peux rien faire avec. Je peux rien faire avec. Je crois qu'on va pas avoir le choix. On va devoir faire appel à... à YouTube. Parce que moi je ne comprends pas. Et le problème c'est que si on reste coincé trop longtemps, ça risque d'être chiant. Pour vous comme pour moi. Donc on va regarder vite Zef quoi, mais c'est écrit vous avez oublié quelque chose, souvenez-vous-en et vous serez béni. C'est une boule de voyance, donc laisse tomber. C'est... Déjà, YouTube. Non, mais Ingrid, t'es d'accord avec moi? Ça fait 40 minutes qu'on a lancé le jeu, on n'a rien fait. Je comprends pas. Je veux bien. Ah, attendez. Je peux rien faire. Non, elle est fermée. Hein. Clairement, puisque là, il est totalement vide, alors super. Je peux pas l'ouvrir avec mon cintre? Non. Vous voyez quand je fais ça? Yes, vous voyez. Allez, on va chercher où est-ce qu'il est la clé. Song of Aurore.
Épisode 2. On va chercher la clé parce que putain. Faut qu'il sait lui. Attendez, on va mettre la plétron. Pas plus rapide. Tac. Vitesse de lecture. But. Le gueudin quoi. Non, il cherche son personnage. Là, il est rentré. Ok. Et jusque-là, il fait exactement ce que j'ai fait. Ça marche pas. Quoi? Quoi cette douille? Attendez, il a utilisé la clé là pour rentrer? Mais non. Je l'ai fait tout à l'heure, ça a pas marché. Je me déteste. Bonjour. Mec trop con, je vais mettre en pause. Oh bah c'est bon. Putain mais c'est sérieux là. Pourquoi tu gueules comme ça par contre? Arrête de parler comme ça. Oula. C'est verrouillé, d'accord. Isaac Farber, Marley Rangel, Family Gibbs. J'ai teasé la clé. Et ouais, bah c'est toujours. Ça m'arrive toujours ces conneries, hein. Il y a une porte, et forcément, c'est celle que j'ai pas fait. Du coup, je n'aurais plus besoin de la clé. Elle a jeté la clé? Ouais, elle a jeté la clé. D'accord. Bah j'adore hein, ma vie, j'adore ma vie. Non, non, par contre, tu remontes. Voilà. Cette porte est bloquée, d'accord. Cette porte est bloquée, d'accord. Là, on a un barbecue, d'accord. On a des poubelles. On va fouiller tout ce qu'il y a dehors avant d'aller à l'intérieur. Il y a quand même énormément de endroits. Les voisins utilisent cet endroit comme cabane à outils, d'accord. Donc c'est une sorte de jardin où tout le monde peut rentrer dedans, quoi, finalement. Ok. Là, on a des vélos. Et moi, je viens de là, ok. Donc il me semble que ces deux portes-là, je peux pas rentrer. La porte est coincée, c'est étrange. Ok, faut que j'aille à mon appartement en fait. Ah, ok. Et tout est fermé, du coup, je suis obligé d'aller par là. Ah, attendez. Oh non, je l'ai fait tomber, putain. Si j'utilise mon spray avec plusieurs fois de l'eau, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va remonter. Je pourrais... Attends, elle a dit quoi, là? Je pourrais me rendre depuis le magasin. Ouais, mais du coup, il me faut des clés. C'est ça que t'as pas compris, ma cocotte. C'est que j'ai pas les clés pour pouvoir descendre. Il y a trop de portes dans cet endroit. Ah, ça, on peut ouvrir. Oh, cet environnement...
Notre ascenseur ne fonctionnera pas, la cage d'ascenseur ne fonctionne pas. Oh, cet ascenseur a l'air de fonctionner. Non? D'accord. J'ai zéro interaction avec. On est dans une sorte de motel un peu space. Ça a l'air plus grand que le manoir qu'on était dans le premier jeu d'ailleurs. Ça a l'air deux fois plus grand que là où on était dans le premier jeu. Waouh, ça fait peur. En vrai, parce que depuis tout à l'heure, j'entre un peu en mode YOLO. Mais oh, on a besoin d'une clé pour aller là, super. Oh my god. Oh non, tous les noms qu'il y a à retenir. C'est quoi mon nom à moi? Oh non, non, ils vont pas me faire retenir tous les noms. C'est mort. Les clés sont à l'intérieur. Je pourrais... Mais je suis sûr que je pourrais au moins les toucher. Bah vas-y. Bon, c'est pas avec le cintre apparemment que je dois faire ça. Ok, donc déjà je peux pas aller là. Il me faut autre chose. Il me faut autre chose. Je peux pas le faire avec mon cintre. Ça c'est fermé, je peux pas le faire. Attendez, on va repartir là-bas vite fait. Attendez, est-ce que je peux pas combiner mon cintre avec quelque chose? Bah non, du coup, parce que j'ai récupéré zéro objet depuis tout à l'heure. Du coup, c'est mort. C'est mort. Wow. Eh, pourquoi la caméra elle s'est éteinte là? Ça fait peur. Ah! Eh, calmons-nous hein. Est-ce que j'ai regardé ça? Je sais plus. Non. Oui, si, je l'avais regardé. Bon, bah, on repart. Oh! Il y avait un mec! Waouh! I'm down! Il y avait un mec dans la cage d'ascenseur. Je pense que tout le monde l'a vu. Un truc dans les ordures. Un jeton collard en argent. Pour la machine à collard. Oh super. On va y aller. Hell?
That door is reinforced with steel. I doubt I could hear. Jouer et gagner, jouer et perdre, des doutes foncés. J'adore ma vie. Oh! Bah moi aussi j'aimerais bien le savoir. Ah mais du coup attendez, ce qu'on a fait tomber tout à l'heure, ça doit être là-bas. Ah si je me souviens bien, j'ai bien compris le derrière. Je l'ai passé, il est là. Une étrange décoration de réfrigérateur. Ah, ok. Et je combine ça avec mon... Attendez. Ok, donc j'ai l'aimant que je combine avec ça et ça me fait un cintre aimant. Et du coup ça, ça va me permettre de récupérer la clé qui se trouve à l'intérieur du bâtiment de l'autre côté. Ok, on commence à se libérer un petit peu. Par contre, Coco. C'est rien. Et la voir. Et je peur beaucoup. Par contre, vraiment, la maniabilité, elle est affreuse. Hein. Je sais pas si on peut jouer à la manette, mais... Bon, moi, je vais pas jouer à la manette parce que du coup, je suis un peu habitué maintenant de jouer sans la manette. Mais faut faire gaffe, quoi. Tourne. En tout cas, s'il y a une course poursuite, faut pas me faire appel, hein, parce que moi, je vais sûrement crever. What? Oh, ils sont aveugles. Oh, je sais plus comment on faisait la dernière fois. Alors, attends. Il ne vous voit pas, mais il peut vous entendre. Courir devient futile. Vous devez rester calme et silencieux. Pour cela, vous devez contrôler votre respiration en bougeant. Doucement, essayez de maintenir le cercle aussi proche du fond blanc que possible. S'il ressent votre présence, il se rapprochera de plus en plus à chacune de vos erreurs. Ne laissez pas vous atteindre. Ok. J'ai rien compris. Ah ouais, ok. Mon cercle, il faut qu'il soit à l'intérieur du cercle blanc, d'accord. Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai rien compris. Ah non, faut que je sois sur les bords du cercle blanc. D'accord. Oh, c'est Shogun Tonight, hein. Oh, c'est chaud. Oh, par contre, j'ai les dents noires, c'est normal. Ou alors, c'est mon rouge à lèvres.
Ah, c'est mon rouge à lèvres, je pense. Ok, j'ai un rouge à lèvres noir qui rend dégueulasse le truc, mais c'est pas grave. Et là, j'utilise du coup mon cintre aimant. Il me fait que je récupère les clés. Les clés en fer. Du coup, je peux peut-être ouvrir la porte qui se trouve là. La clé magique, hein. C'est super. Qu'est-ce qu'on voit là? Voici la clé pour l'interrupteur que tu trouveras sur le comptoir du magasin. Au cas où quelqu'un veut accéder à la galerie d'exposition, ce sont les caméras de sécurité. Et elle est où? Bah, je veux bien, mais tu l'as foutu où? Ouais, ça, on s'en fout. Ah. Il a une faute, il a un poster semi-pornographique. Pas totalement porno, mais il commence à être porno. Comment j'ai gueulé? Putain. Oh, comment j'ai gueulé. Waouh. Oh my god, ça m'a fait tellement peur. Ah, regardez. Une poignée, yes. Ça va me permettre de pouvoir ouvrir la galerie, ça. C'est quoi le bruit que j'entends? J'entends... Ah, mais c'est l'eau, là, dans la machine. J'ai ouvert la porte sans vérifier s'il y avait quelque chose de l'autre côté. Hein. On en parle de ça? Pleine de liquide antiseptique. Je prends et je mélange avec mon truc là. Ah bah apparemment c'est pas ça qu'il faut faire. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. C'est mon soutien-gorge. Putain Walter, c'est le pervers. C'est forcément toi, fils de pute. Attends voir. Oh le bâtard, il a pris mon soutif pour se branler dessus quoi. Incroyable. Non mais Gouja. Incroyable quoi. Non mais oh. Alors par contre, pourquoi je ne pouvais pas utiliser le liquide sur le... Il n'a même pas été ouvert. Je ne pense pas en avoir besoin de plus. Mais déjà tu voulais l'utiliser, pourquoi? Bon, je peux vraiment pas le mettre dedans. Hein. Hey Walter. Irver. Apparemment, je peux juste ouvrir la porte. Et ça, ça amène où? Ah, je suis dans la galerie, là. Oh, trop bien. Ok, bon, par contre, on va pas y aller maintenant. Parce qu'on a encore des trucs à fouiller, je crois. De ce côté. Alors, moi, je fouille tout, déjà, tout de suite. Comme ça, au moins, c'est fait. Je peux pas aller là. Mais si, ça, c'est... Juste la porte pour repartir, quoi, c'est tout. Oh là là, my god, quoi, ce stress. Est-ce que je peux aller là? Je n'ai pas les clés sur moi, super. Donc, du coup, les clés que j'ai récupérées n'est pas du tout pour poser. Oh non. Oh non. Oh non, 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 non. Pourquoi j'ai froid d'un coup, là? Putain, je sais pourquoi. Faut que je me cache.
Putain, mais obéis-moi. Ah non. Oh, thank God. I can feel my legs again. Bah écoutez, je n'ai pas compris à quoi ça servait ce truc. N'était pas forcément ultra nécessaire. Allez, allume le briquet là. Non. Eh ben. Galère quoi. T'as appris où à allumer des briquets toi? Hop là. Ok, donc la porte là-bas est ouverte maintenant. On va quand même regarder ce truc là. The room is empty. I don't know what else I was expecting. Ok, nous sommes dans la galerie. J'adore l'ambiance. Mais que ça? Oh. Oh putain, il y a un code. Oh non. Oh non, c'est quoi ce délire encore? J'ai récupéré des notes qui me permettraient de pouvoir résoudre ce code. Non. Ouais, alors il y a un code. On va sortir. On va analyser les clés. Merde. Les clés peuvent ouvrir beaucoup de portes. Super. Du coup, les portes qu'on a vues là, il y a peut-être moyen de pouvoir les ouvrir. On n'entend rien. Nope. Eh boy, allez, on ouvre la porte. Super. Ok. Ok. Peut-être moyen que je peux retirer, oui. Ça vient de me niquer les oreilles. Oh my god. Oh, j'espère que bah vous non du coup. Waouh. Bon bah la meuf est morte. Super. On va y aller avec Daniel. Ah, allez go Daniel là. Casse pas la tête. On va pas continuer avec Daniel. On va continuer avec la meuf là, là. Elle. Waouh, par contre, il m'a vraiment fait flipper, hein.
pas ce que vous en pensez, vous, mais je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, honnêtement, il m'a niqué les oreilles, hein, clairement. Ça va, c'était pas trop fort pour vous? Meuf, on s'en bat les couilles, ça m'a compris. Le monde là avec des bougies à la con. C'est bon, quoi. Bon, faut aller récupérer du coup les clés. The lights are on. Let's see whether Farber is around somewhere. C'était là-bas, je crois. Mais moi, mes oreilles, elles sont mortes, hein. J'ai baissé à mort, hein, parce que... Voilà, si... là, c'est foutu, hein. Mes oreilles, elles sont... Bon, du coup, ne pas... ne pas ouvrir ce miroir, parce qu'apparemment... Le miroir fait mal. On va pas l'ouvrir. Ah, tiens. Ok, on n'entend rien. Yes. Des peintures ou la contrefaçon? D'accord. Là, il y a une note là. J'ai bien peur que ce soit trop tard. J'ai écouté la mélodie, Catherine et les enfants aussi, juste une fois. Rien ne va leurs arriver. Pas vrai, mon Dieu, cette mélodie, quelque chose est différente dans ma tête. Elle me fait voir des choses que je ne comprends pas. Les choses que je ne préférerais ne pas voir. Je suis si désolé. Je me sens obligé de vous renvoyer la boîte à musique. Je vais continuer mes recherches. Alors, mais je ne veux pas l'avoir proche de moi. Je dois penser à ma famille. Ok. Une belle harpe en tout cas par ici. Hein. Une très belle harpe. Hop. On s'enfonce. Là, il y a une cassette qu'on peut récupérer. Enregistreur vocal. T'as voulu mettre un lien, mais ça marche pas, les liens, tu peux pas les mettre. Il y a une note sur la porte. Alors quoi? J'ai gardé une copie de la clé de la salle de la maison dans la vitrine de la salle d'exposition. Ok, donc dans la salle d'exposition, dans le puzzle chinois, je l'aurais bien laissé dans le magasin pour toi. Je ne fais pas confiance au concierge. Je l'ai écrit. J'ai écrit un rappel de la combinaison au dos de cette note, mais de façon cryptée, juste au cas où qu'elle tombe des mains indiscrètes. Bisous. De gauche à droite. Allez, si, Walter, si vous lisez ça, allez faire un tour. Alors déjà, on va prendre notre carnet. Hein. Je vous rappelle que on est toujours sponsorisé par Robia. Pas du tout, en fait. Que j'ai perdu mon crayon. Retrouver. Donc, de gauche à droite. Ça fait première roue. Enfin, c'est même pas scripté, en fait. Ça fait 5, 6, 7, 8. Du coup, ça fait 8. 5... ça fait 4... Non, attendez. Ouais, ça fait ça, ça fait 10, ça fait 14. 14.
Ensuite, ça fait 2. Et ensuite, ça fait 11. Simplement. Et la sixième roue, je ne sais pas écrire en chiffres romains. Avec le petit smiley. C'est sympa parce qu'ils ont même traduit sur les feuilles, sur les documents carrément. Ça, okay. On va aller là d'abord. Okay. Quelqu'un l'a verrouillé. Est-ce que je peux l'ouvrir avec mes clés? Je pourrais pas utiliser cette clé ici. Et là, je peux. Là, je peux l'ouvrir celle-là. Impossible de faire entrer la serrure, la clé dans la serrure, d'accord. Et celle-là, je suppose que je peux pas non plus. Ok. Donc ces portes-là, je peux rien faire. Donc en gros, il suffit que maintenant que je reparte dans la salle pour utiliser ce code. Je peux rien faire. Alors, regardons un petit peu. Ça fait 8. Ah merde, c'est vrai, c'est... Ah d'accord! C'est de l'hexadécimal. Ça fait 8. Bah, je pense. 5. 14, donc c'est E. Après, c'est 2. C'est sûr que c'est de l'hexadécimal, j'en suis sûr. Franchement, des fois, je peux me tromper, mais là, je suis quasiment sûr que c'est ça. Putain, mais quel boss, quoi. Et ouais, 3 ans en bac pro, système électronique numérique, à faire que des trucs de code comme ça, là. Et juste pour ce jeu, en fait. Ma destinée était toute tracée. Il manque une pièce. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Alors où est-ce que je suis pas allé encore? En haut, il y a des clés que je peux utiliser. Non, c'est pas en haut, c'est dans la cour. Dans la cour, il y a des clés que je peux utiliser. On va y aller. Que je dois faire.
Things stop shaking. Yeah. Okay. C'est ça la complexité de ce jeu, c'est que t'as beau faire, tu peux faire des trucs que toi tu penses ça ne changera rien, ça peut t'aider à avancer, mais finalement pas du tout, comme on a pu voir avec, avec le drap tout à l'heure que j'ai dû enlever. Moi je me suis dit ouais ça va m'aider, mais en fait pas du tout. Est-ce que je peux ouvrir cette porte? Non. Par contre, les portes là, je peux peut-être les ouvrir. Ok, ça, je peux pas ouvrir. Je peux pas ouvrir non plus. Non. Ok. Il reste encore une porte là-bas au bout. On va y aller. Ouais, je peux pas rentrer dedans quoi. Il y a un endroit où je peux aller. Là clairement toutes les portes que j'ai testées, je peux rien faire avec. Vraiment rien faire avec. Peut-être celle-là. Non. Ok. J'ai fouillé toutes les portes, je sais plus. Celle-là, je l'ai faite, je sais plus. Ah mais celle-là elle est ouverte. Mais depuis quand? Depuis quand elle est ouverte celle-là? J'allais retester d'ouvrir les portes. Mais attendez, mais j'ai testé de l'ouvrir tout à l'heure, ça n'a pas marché. Pourquoi là ça a marché? La porte est fermée. Mon dieu, ce n'est pas la bonne clé. Pas la bonne clé. C'est pas la bonne clé non plus. Super. Nope.
Apparemment, aucune des clés n'est la bonne, hein. Ok. Combien d'étages dans ce truc là? Là, je suppose que mes clés ne peuvent pas ouvrir toutes les portes là, hein, je suppose. Je pense que ça sert à rien que je me voile la face. Ah, attendez, je peux ouvrir les portes. Ça semble être encore plus froid vu d'ici. Ouais, d'accord. Donc clairement, je pense que je peux ouvrir aucune porte. Hein. Ça sert à rien de se voiler la face. Ouais, je peux rien ouvrir. Bon allez, on redescend. Là, il faudrait que je revienne quand j'aurai les clés des appartements, je pense. Oh, attendez. Ouais. Qu'est-ce qu'il me reste comme porte à ouvrir? Je n'ai pas fouillé encore. Je crois qu'il me reste la porte en bas dans le couloir là où on a récupéré les clés tout à l'heure. On va aller là-bas. C'est ça, j'ai pas lu ça. Il me reste la porte à ouvrir de l'autre côté. On va aller faire ça. Ambiance oppressante, c'est ouf hein, quand même. Le jeu est génial. Franchement, j'ai vraiment l'impression de retrouver un vieux Resident Evil, Silent Hill. C'est la force du jeu, hein, clairement. On dirait vraiment un vieux Silent Hill. Le seul problème que j'ai, c'est que c'est ce système de plusieurs personnages, c'est un peu bizarre. Ah, ça marche. Je pense que cette clé ne me servira plus, d'accord. Donc vraiment, c'était là que je devais aller, quoi. Déjà ici ça fait un peu peur. Ok, quelque chose bloque la porte. Donc c'est pas là. J'aime pas cette atmosphère, la lumière qui s'éteint et qui s'allume, ça fait très bizarre. Très très bizarre. Ok, là on a un truc à ramasser, une sorte de rapport. Il n'y a rien de marqué dessus apparemment. Des vieux outils de peinture. On a une belle clé à molette que je ne sais absolument pas à quoi elle va pouvoir me servir. Pour serrer quelque chose, d'accord. Et là, ok, et là. Ok. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour ici, j'ai récupéré tout ce que j'avais à prendre. Le souci maintenant, c'est que je ne sais pas à quoi me sert cette clé à molette. Hein. À quoi est-ce que ça va bien pouvoir me servir?
Il y a un truc derrière. On n'y va pas. On n'y va pas. Pour serrer quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais avoir besoin de serrer? Qu'est-ce que je vais pouvoir avoir besoin de serrer? De ouf, hein. Ta bouche, ça rétrécit tout de suite. Oh putain. Vas-y, mais casse-toi. C'est bon, il se barre. Ça, a du mal au sniper. Et c'est bien, du coup, au sniper machin contracts, là, ou pas? My God, I could almost feel how it was... trying to reach me. Je sais pas à quoi ça peut me servir. Mais what? Ah oui, c'est vrai, j'ai ouvert. Je sais pas à quoi ça peut me servir, ce putain de truc, hein. Mais j'arrive pas à tourner ma lanterne. Je ne capte plus ma souris. Il y avait un truc sur le tableau. Quel tableau? Il y avait une note? On va y retourner. Dans la pièce où t'es entré et t'es sorti. Ah là? Ouais non, c'est un truc que j'ai déjà vu. Ouais, je l'ai déjà vu. Alors en fait, je réfléchis à quoi peut me servir... Ah, mais attends, j'ai une idée. Est-ce que je peux utiliser la clé que j'ai récupérée pour péter ce bordel là? Oh, mais oui. Trop bien. Ok. C'est quoi cette sécurité supplémentaire? Je dirais que ces clés sont aussi vieilles que le bâtiment. C'est la clé de la cabane. Je pense. J'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué dessus. Barber. Ça doit être la clé de la cabane. On va retourner dehors. Franchement, c'est le seul truc que je vois qui est assez ancien. Donc je pense que c'est ça. Hein. Je ne vois pas d'autre explication. Est-ce que j'ai encore ma clé à molette? Je ne l'ai plus, putain. Est-ce que je peux combiner ça et ça? Non. Franchement, je suis sûr que c'est la clé de la cabane. Hein. Attendez. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre en fait. J'ai toujours ces trucs là que je sais toujours pas quoi faire avec. On est déjà... on avance déjà plus vite que la dernière fois, hein, j'ai l'impression. Après, on est qu'au début. Hein. Enfin, on est qu'au début, ça fait quand même 1h30 qu'on joue, mais on a passé 40 minutes à tenter de trouver une porte de merde. Ah, faut le rappeler. Bon, je pense que c'est la clé de la cabane. Clairement, vu la vieillesse de la clé, ça ne peut pas être autre chose, quoi.
Allez, on y va, on va tester ça. Ok, ça sert à rien. Super. Je vais l'utiliser où du coup moi la clé? Peut-être là, il y avait des portes fermées ici. Ouais, elle peut me servir cette putain de clé. C'est fait? Je peux rentrer dedans? Oh, c'est bon, je suis rentré. Oh, s'il vous plaît, me faites pas tuer là, j'en ai marre. Il y a une chambre noire, une télé allumée, un miroir pété. My hair is standing on end. Something. Something is very wrong here. Il y a des bruits chelous, j'ose pas rentrer. Bruits chelous, putain, j'ose pas rentrer dans les portes là. Là, j'ai confiance zéro. Me tue pas, me tue pas, me tue pas, me tue pas. Hey, are you... Is everything okay? Démerde toi, je m'en bats les couilles, tu te démerdes grosse. Cet endroit est horrible, j'en ai rien à foutre. Arrête de pleurer, bordel, c'est pas... C'est pas ça qui va arranger les choses, ok? Oh, regardez. Quand même. Il me faudrait plus d'ingrédients. Ça, ça tira. Non. Ça me fait peur. J'ai pas envie d'aller à côté et je sens qu'elle va me buter la meuf. La meuf qui pleure là. Je sens qu'elle va me buter. Elle est encore là. Elle est plus là. Yes! Oh putain, faut que je fasse un dragon! C'est chaud.
Non! Il me faudrait un truc. Reprend ici en fait. Putain, et puis ça tourne tout, ça fait chier ça. Attendez. En fait, il me faudrait que mon truc. Mais non, mais c'est là qu'il doit arriver. Putain, je suis débile. C'est là qu'il doit arriver. Du coup, en fait, mon truc de base, il doit être là. Mon truc de base, il doit être là. Et là, de toute façon, c'est obligé que je fasse comme ça. Il n'y a qu'une face, on est d'accord? Bon, il y a l'air d'avoir qu'une face. Lui, il est obligé d'être là. Lui, est-ce que j'ai plusieurs trucs? Mais non, mais c'est trop dur. Un puzzle chinois, ouais. Ouais. Pourtant, là, on dirait que ça match plutôt pas mal. Hein. Vérifier. Ce n'est pas si dur que ça. Bah ouais. Connaisse. Merde, il est où mon casse-tête chinois? Ah, il est là. Bouger ça aussi? Non. Déjà, lui, c'est... Enfin, lui, c'est sûr, il se met là. J'en ai pas d'autres. De toute façon. Voilà. Et lui, je peux pas. Obligatoirement qu'il se passe comme ça. J'ai deux points. J'ai qu'un point d'arrivée, on est d'accord? Ouais, j'ai qu'un point d'arrivée. En fait, c'est bizarre parce que j'ai pas l'impression que je puisse les relier. Putain, je peux le bouger celui-là. Ah ouais, fallait le dire plus tôt. Ok, puis en fait, trop loin, faudrait que je descende genre de deux comme ça. Voilà. Voilà. Ça va pas. Je trouve encore trop loin. Il est de 1 trop loin, lui. Tac. 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 Ah, mais non, attends. Il doit se mettre là. Il avance comme ça. Il avance comme ça.
Ça a l'air d'aller là. Là franchement je pense que ça va. Yes. Oh, c'est quoi ça? Porte-clés avec avec une étrange décoration. Claire. Ah ouais, c'est... Oh, c'est un Cthulhu. Une pieuvre. Trop bien. Une table de Ouija. Ça fait peur, hein. Miroir brisé, comme d'hab. Là, on a une cassette. Ok, donc ici, dans cette maison-là... Attendez, où est-ce que je suis... Je suis perdu. Où suis-je? Dans cette maison-là, je peux me cacher. Ça, c'est cool. Là, dans cet appartement-là, je peux aller là si j'ai besoin de me cacher. Ça, c'est cool. Ok. Retournons de l'autre côté. Je me souviens bien, dans cette salle-là, j'avais des trucs à voir. Je sais plus. Ouais, j'ai une sorte de puzzle à faire. Mélanger quoi que ce soit, je pense qu'il me faudra plus d'ingrédients. Donc déjà, je peux rien faire parce qu'il me manque des trucs. Donc, bah, on reviendra plus tard, hein, quand j'aurai, je pense, de quoi faire. Oh, je ne peux pas l'ouvrir. Oh sa mère. Mais les gars, je ne sais même pas où je suis. Oh mais non. Putain, je suis un bolos. Je suis trop con. Je suis trop con parce qu'en fait je devais sauter sur la porte pour l'empêcher de s'ouvrir. Putain, je me suis rappelé de cet élément de gameplay à la fin quand la porte s'est ouverte. Oh, je suis deg. Oh non. Je me suis souvenu que je devais faire ça pile au moment où la porte s'est ouverte. Aïe aïe aïe. Il me reste deux personnages. Hein. Sachant que si le dernier meurt... Je vais devoir recommencer tout à zéro. Par contre, je referai pas ça aujourd'hui et surtout pas en live. Pas ça un jour. Ah, oh, je suis tellement deg. Putain. Tant pis. C'est bon, on s'en fout de la vidéo. Déjà, faut que je retrouve là où j'étais. On joue un flic, du coup, maintenant. Sachant que les deux autres personnages sont totalement morts. Bah alors... Bah ouais, mais... Je n'ai pas d'excuses. Je n'ai pas d'excuses sur ce qui vient de se passer. Par contre, il va rapidement me saouler, lui. Hein. La vie de ma mère, il va me saouler, je vous jure. Avec ses putains de clés qui... Ou menottes, ou je sais pas quoi, là. Il y a un truc qui... Non, mais ça va me rendre fou. Je crois que les deux autres meurent. Ouais, bah ouais, si les deux autres meurent, c'est fini. Hein. Faut recommencer tout à zéro si les deux autres meurent. Et en fait, t'as tellement de phases de gameplay, genre... entre le mec qu'il faut pas bouger, entre quand faut se cacher, et quand faut foncer sur la porte pour éviter qu'elle s'ouvre. Bah, c'est des trucs où, bah, forcément, moi, je suis perdu, hein. Je suis perdu, tu, chapeau pointu. Donc, voilà, hein. Forcément, on s'y perd. On s'y perd.
Sachant que je ne sais pas à quoi me sert cette putain de clé. Le flic, il peut matraquer le monstre et hop, c'est fini, ouais. J'imagine, ça serait si simple. Ça serait bien si c'était aussi simple. Je peux pas ouvrir aucune porte. Ah mais si, celle-là, je peux l'ouvrir. Oh non, puis il fait des bruits tellement bizarres. Ta gueule, quoi. On va y aller. Vous avez entendu les petits craquements, les petits frottements, là? C'est le signe qu'il faut pas y aller, hein. Je suis venu ici. Alors, quelle porte pourrait m'être utile? En fait, ça me semble bizarre parce que... What? Wesh! I need to investigate this. Non, 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 faut pas enquêter. Faut pas enquêter sur ça, hein. Non mais ferme-la gros, ils s'en battent les couilles que t'es de la police. En fait. Quoi ce bruit? J'ai entendu un bruit genre... Ouais c'est ça. Mais c'est stressant de ouf, hein. Non mais gros, ta gueule, c'est bon. Ah, y a un truc à récupérer là. J'espère que vous vous sentez mieux. Ou au moins plus calme. C'est désormais qui a fabriqué la boîte, mais il est mort. Il y a des années. Son nom est Argos le Grand. Dès que j'en saurai plus, je vous le ferai savoir. Je crois que la clé, c'est de renvoyer la boîte. Vous avez une liste de la vente aux enchères où vous l'avez achetée. Vous pourrez sûrement trouver son ancien propriétaire. Je crois que les choses se sont améliorées depuis que je vous l'ai renvoyé. Oui, j'en suis convaincu. J'espère que tout se passe bien. Usher. Bien. Oh, par contre, la musique qui s'emballe, hein. Bah, ma main. On n'entend rien. Par contre, là, il y a un truc. Ah, je peux peut-être prendre la lampe. Je peux prendre l'ampoule. Ça, ça va me permettre peut-être dans la salle. Dans la salle de tout à l'heure. Ça va pas le faire. J'ai rien pour me cacher, putain. Ok, c'est bon, c'est bon. Pas tout ce qu'il y a d'écrit.
mais t'es sérieux là? Celles sur la colonne de droite sont de vieilles clés. Je les garde au cas où, juste. Les clés en métal coloré sont pour les portes sécurité du magasin et pour les serrures. Les clés carrées sont pour les instruments du magasin. Les rondes et triangles en argent sont les copies que tu as faites pour la vieille vitrine. La clé verte et ronde en plastique est pour ta moto. Et la clé rouge en plastique pour le coffre. Waouh, mais c'est une blague! Et elles sont où ces clés? Right. De la nourriture pour animaux. Super. Je suis rentré genre en mode bas les couilles alors qu'en vrai j'aurais pas dû. Je pense que peut-être ça peut m'aider pour ici, la lampe ultraviolet. Non, pas pour ici apparemment. Où est-ce que j'aurais besoin d'une lampe ultraviolet? J'ai récupéré des clés, je ne sais pas à quoi elles me servent. Ça me perturbe. J'ai beaucoup de trucs dans mon inventaire. Hein. J'ai 3 clés. Clé d'Erica Farber. Calme-toi gros, calme-toi. Je vais attendre un peu qu'il se barre. Comment ça va vous, le chat? Vous passez un agréable moment à me voir galérer? Parce que clairement là je galère. Hein. Je sais pas où est-ce qu'on en est dans l'épisode là, mais... Parfouli là, ça fait peur. C'est bon, je peux sortir? Oui, oui, bon, de toute façon, toi, Ingrid, à chaque fois que je live sur un jeu d'horreur, t'es... Toi, tu te moques. Alors, hein? Réagis comme moi. T'as peur aussi? T'as dites-moi là si vous avez peur aussi au moment où moi j'ai peur. Ou alors si c'est moi qui vous fais peur. Ah. Hmm.
What? Ah, ok. Ils ont retiré la manivelle de la fenêtre. Putain, j'ai pas la manivelle de la fenêtre. La manivelle de la fenêtre. Elle est où cette connerie encore? Ça doit être le concierge qui doit l'avoir. Mécanisme de la fenêtre, mais je l'ai où ce truc? J'aurais raté là-bas? Ça saoulant ça par contre. Je peux ouvrir ces portes là? Non. Non. J'ai raté quelque chose. Hein. Hey, what's going on here? Hey, oh. Putain. Peut-être que maintenant tu peux ouvrir les portes. C'est vrai que je peux peut-être maintenant ouvrir les portes. Pas l'air, ça a pas l'air, ça a pas l'air. Je sais pas où est-ce que je peux récupérer ce truc. Ça doit être quelque part là, hein. J'ai dû le rater. Là, on est d'accord, on est dans les appartements du concierge là. On est où? Ah non, on est dans la salle à manger. Aucun rapport avec le concierge.
Mais où est-ce qu'ils auraient pu mettre ce mécanisme de la fenêtre? On va récupérer le mécanisme là et je dis pour plus tard. J'ai l'impression que c'est ça qu'il faut que je fasse. Franchement là je regarde partout là mais que je trouve une fenêtre qui permettrait de le faire. Que je ne vois pas. Et on retourne de l'autre côté. On est d'accord que là, il n'y a rien pour me cacher. Si la première porte à gauche, là, je pourrais me cacher. Il y a une armoire normalement. Il se passe quelque chose. Ah putain, les touches de mort. Je sais plus comment faut faire ça par contre. Eh bah bordel. Police training didn't prepare me for this. Personne n'est préparé à ça, bah ça mon pote. Même moi j'étais pas préparé à ça pour te dire. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans... Ah oui, il y avait les clés. Les clés d'Erica Farber. Mais à quoi cela me sert-il? Concrètement. Parce que Erica Farber, qui est cette femme? Parce qu'à un endroit, il y a marqué Erica Farber. Je ne sais pas. Ça, c'est les toilettes, les toilettes. La porte est fermée de l'intérieur. Voilà, franchement, je ne vois pas où c'est. Hein. Moi, pas comprendre. Jusqu'à maintenant, j'arrivais à trouver. Mais là, je ne trouve pas. D'accord que ouais je peux pas utiliser. Il y avait un endroit où il y avait plein de noms, je sais plus où c'est par contre. Ouais je vois où c'est, ouais tu me parles des... Ah mais attendez. Si je récupérais. C'est là je crois, c'est quelque part. Si je récupère ici les trucs de la fenêtre, est-ce que ça me permettra d'ouvrir Mais y a rien sur cette fenêtre, putain.
pas l'ouvrir. Honnête non plus, je peux pas l'ouvrir. C'est où? Cette clé ne va pas là. Oh, la maniabilité à chier, quoi, putain. Non, redescends. Voilà, nickel, c'est bon, gentil bonhomme. Je suis de retour, il y a eu quoi de bon? Je suis mort deux fois, alors je sais pas si t'as assisté aux deux fois. C'était plutôt flippant. D, C, A. Je comprends pas. Je vois pas où ça peut être. Erika Farber. Non. Ça ne marchera pas. Ouais, ce qui m'emmerde, c'est que je peux rentrer là. Le truc, c'est qu'il me faut un truc pour la fenêtre. Et ça, je sais pas où c'est. Si seulement j'avais quoi? Trouver la clé. Cette clé ne va pas là. Ok, bon bah je suppose que c'est pareil pour toutes les portes à côté. Il faut vraiment que je trouve un truc pour ça. Hein. Ils ont retiré la manivelle de la fenêtre. Des connards. Pas utiliser l'ampoule. Qui retire la manivelle de la fenêtre aussi, putain. Ça fait peur ici. Les bruitages, c'est insane quand même. J'ai vraiment ce truc là qui me manque, hein. Je sais pas où c'est. J'ai repassé 20 ans à chercher ça. Pas une porte là. Non. C'est parti pour le chat. C'est parti, tout le monde est chaud. Au moins lui, il a une vraie lampe porte. Mais les bruitages, elle m'a niqué les oreilles.
Comment tu veux être zen quand t'as ça? Sans déconner. Ah, je peux interagir avec la serviette. Serviette des clients. Comme ça, tout le monde se torche le cul avec la même serviette. En vrai, je sais pas trop c'est quoi son magasin et puis un peu la merde. Hein. Enfin, moi, je dis ça comme ça, mais... T'as plus la merde, ton magasin, gros. C'est nap! C'est n'importe quoi. Mais vous avez vu quand même? La mort arrive n'importe où, n'importe quand. Il m'en reste plus qu'un, c'est le personnage principal. Et le problème c'est que là... Si je meurs, c'est la fin. On va recommencer tout à zéro. Et c'est même pas la peine de penser que je recommence tout à zéro là ce soir. On fera autre chose. Hein? Parce que non, c'est bon quoi. J'allais récupérer. Oh bah, il est là. Vous savez quoi? On va pas se faire chier. Hein. On va pas se faire chier, on va regarder sur l'internet mondial où se trouve le truc. Parce que... Il a passé du temps dessus. Ah, on est bientôt à la fin, hein. On est bientôt à la fin. Ouais, on va quand même mettre en pause, j'ai pas envie de crever. Mais lui, il l'a déjà. Il l'a ramassé où? C'est-à-dire qu'il l'a ramassé avant? Il l'a ramassé où? Le mec il ouvre les portes en mode YOLO et lui il meurt pas et moi je meurs tout le temps quoi. Incroyable. Injustice. Ça veut dire que le mec il l'a eu avant ça, mais putain il l'a eu où? Waouh, bah alors là, je suis sur le cul parce que je ne comprends pas. On voit jamais son inventaire, il ouvre jamais son inventaire. Donc, Attendez. Non! Mais...
Là, il est pas dedans. Il est pas dedans. D'ailleurs, il a toujours la clé à molette. Pourquoi lui, il a la clé à molette et moi, je l'ai plus? Pourquoi il a la clé à molette et moi, je l'ai plus? Il y a du vol, hein. Ouais. Pas moyen de, d'augmenter la rapidité. Fois 2, c'est pas assez rapide. Ouais, donc il gigote ses clés partout. La table de Ouija qu'on a vu tout à l'heure. Forcément. Je suis bien en échappe là. La cassette. Vous avez vu, il se passe pas les mêmes choses entre nous. Hein. Genre lui, il a déjà ça et moi je les avais pas. Au pire, c'est important de fermer la fenêtre. C'est pas la fermer qu'il faut faire, c'est l'ouvrir pour pouvoir passer par la fenêtre en fait. Donc oui, c'est important parce que du coup, on doit aller dans la cabane, je pense. Parce que je vois que ça en fait, je vois que ça à faire. Donc et je vois pas. Là, il l'avait pas. On est d'accord. Hein. Il avait pas le truc. Hein. Là, il repart de cette pièce 100, d'accord. Ensuite, il va dans les autres pièces. Peut-être qu'il l'a créé. Je me demande s'il l'a pas créé. Là, on est d'accord, ok. Donc, il va. On l'a déjà vu. Normalement, juste après, il a le passage où. Aaron. D'ailleurs, il. Lui aussi, apparemment, il est tout aussi nul que moi parce que le monstre s'est vachement rapproché de lui. Il l'avait pas remarqué? Mais t'es là tout à l'heure, mec. Ok, maintenant, il va de ce sens-là, d'accord. Regardons, c'est peut-être à partir de cet instant-là qu'on va voir les trucs. Désolé de regarder des trucs sur internet hein, pour m'aider, mais vraiment, je comprends rien. Ça fait 25 minutes là qu'on cherche, c'est bon. Il a fait pareil, il a fait ça. Ça se trouve, je vais le rater en plus. Il y a peut-être un rapport avec ce qui est marqué sur les notes. Peut-être un rapport avec ce qui est marqué sur les notes. Madman. Mais alors là, par contre, c'est pas possible. Vous êtes en train de me dire, le mec. J'y suis allé 20 000 fois là, y'a rien. Ça va être là, instruction on key. Bah. Ça déjà ok. Récupère la bouffe pour chien. Enfin, la bouffe pour chien pour animal. Il a rien récupéré. Là on s'en branle. Putain, je vois le mec qui a fait un cut en fait. Putain je crois qu'il a fait. Oh, me dites pas qu'il a fait un cut. Il a pas montré où est-ce qu'il est. C'est un con. Mais non, il a fait un cut. Parce que là, il va directement aller là-bas. Je crois pas.
Mais quoi? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi cette clé qu'il vient d'utiliser là? Où est-ce qu'il a eu ce truc? Ah, il est déjà beaucoup plus maniable lui, j'ai l'impression. Waouh! Oh, il est plus maniable, j'ai l'impression lui. C'est quoi ce truc qu'il a récupéré? Sorte de clé à molette là. Attendez, attendez, c'est quoi ça de délire? Le 4. Qu'est-ce que c'est que ça? On est d'accord, il l'avait pas tout à l'heure. Il l'avait pas tout à l'heure. Putain, on regarde des trucs qui, pour nous aider, ça marche pas. Bien, ça fait connaître des chaînes. Noxé. Playlist. Hop, playlist. Au moins, lui, il l'a fini. Apparemment, il est plus fort que moi parce que il l'a fini en moins de temps que moi, apparemment. Ta gueule. Ok. Ah, lui aussi, il a fait tuer ses personnages. D'accord, super. Mais... Ah putain, il l'a déjà. Il l'a déjà. C'est dans l'épisode d'avant. Ça veut dire que quelque part, il y a la clé et je sais pas où elle est. Putain. Waouh. Alors ça, ça va me saouler, ça. Vous vous rendez compte, c'est des conneries comme ça, des, une clé à molette quelque part, là. Tu sais pas où elle est. Fait, qui te fait de fail, quoi. Pff. On est reparti pour tout fouiller, hein. De toute façon, là, si je regarde la vidéo, ça sert à rien de jouer, quoi. On est reparti pour tout fouiller, quoi. Putain, ça me rend ouf, ça. Alors du coup, on va pas aller là-bas. Ah, mais attends. Pourquoi il nous a bouffé d'ailleurs? Pourquoi on s'est fait... On s'est tué. Alors... Je réfléchis en même temps où est-ce qu'elle peut être, quoi. À chaque fois, c'est des endroits totalement illogiques, en plus. Donc, d'accord, il y a plus rien dans ce cadenas. Vas-y, mais je suis débile. Vas-y, non, mais c'est bon, arrête. Je vais arrêter de jouer, moi. Hein. Je vais vraiment arrêter de jouer. La clé à molette que j'ai utilisée tout à l'heure, ce gros con n'a pas, enfin, la grosse conne que j'utilisais tout à l'heure. Ne l'a juste pas récupéré sur le mur. Déjà, pourquoi elle l'a laissé sur le mur? Hein? On se le demande tous, en fait. Juste... Incroyable, quoi. Mais plus débile, tu crèves. C'est totalement illogique, en fait. Hein? J'y vais pas, moi. Même pas la peine, j'y vais, hein. Ah non, mais faut arrêter les conneries, putain. C'était quoi ce mec qu'on a entendu qui a chargé une arme, là? C'est quoi ça, encore? Non, mais c'est bon, du coup, j'ai trouvé mon truc. En fait, c'est juste le personnage tout à l'heure, quand j'ai récupéré mon item.
Sauf hein, quand j'ai récupéré les clés qui me permettaient d'ouvrir l'autre salle, n'a pas récupéré la clé à molette qu'il y avait sur le mur. Et en fait, il aurait dû récupérer la clé à molette qu'il y avait sur le mur. Et juste, bah, il l'a pas fait, comme un gros débile. Par contre, j'ai peur d'aller là parce que j'entendais quelqu'un avec un... avec une arme. Et j'ai peur qu'il me tue. Non, c'est bon, il a disparu. C'est bon. Bah ouais, mais ça, faut... c'est des trucs qu'il faut savoir. T'imagines, je serais pas retourné... Je serais pas retourné voir le truc du cadenas là, j'aurais encore galéré 20 ans à trouver ma clé à molette. Putain, non mais c'est des trucs comme ça, tu te dis mais c'est nimp quoi. Ah. Alors attends, parce que j'entends quelqu'un pleurer, on est d'accord ? J'ai tellement pas envie d'y aller. Attends, on va juste se reconcentrer. Quelqu'un, putain, y'a quelqu'un. Y'a quelqu'un. On va rentrer là, on va ressortir. Et là, je peux plus écouter, donc si je meurs en rentrant, c'est bon. Ah mais voilà, c'était ça quoi. Mais non, t'entendais pas Ingrid, quelqu'un pleurer à l'intérieur de l'autre côté? Il y avait quelqu'un, je te dis. I hope the door can be opened from here. Oh, attendez, vous avez vu ce que j'ai vu là? Il y a une suite de chiffres. Notons ça sur notre carnet. 09 534. Walter. Gun. Ça au moins. Mais bien sûr que c'est Ingrid. Franchement, je te jure. Je te jure qu'il y avait quelqu'un qui pleurait. Ah, tu vois, même... Même Rémi il dit qu'il se passait quelque chose, tu vois. Il manque l'ampoule. Ah. Nickel. T'as pas fait gaffe? Bon, regardons un peu ce que j'ai là. J'ai toujours ma bombe là, chelou. Je sais pas à quoi elle sert. Les clés ne fonctionnent pas.
Mais j'entends un bruit bizarre depuis tout à l'heure, genre des notifications ou je sais pas quoi. Non, ouais. Ah, mais je sais ce que c'est. Uh-uh. Oh, vous savez quoi, on va commencer par tout en haut. Je suis sûr, les clés, elles doivent ouvrir quelque chose. C'est forcé qu'elles ouvrent quelque chose, les clés, sinon ça servira à rien de les avoir. On va commencer par tout en haut. Ça se trouve, je fais ça et on va juste perdre du temps encore. Encore une fois, tu te penses. Parce qu'on a l'habitude. Mais il y a des tâches. Oh, c'est trop long. On va faire cet étage. N'ai plus besoin de cette clé. Oh! Quel bonheur! On appelle avoir une chatte plus grosse qu'un chat. Hello? Is anyone there? The house seems empty. I hope nobody minds whether I take a peek inside. Erika, venez me voir quand vous lirez ça. Je n'ai pas trouvé le luminol. Je crois qu'il est dans votre vitrine, mais vous avez dû laisser la clé dans la poche de pantalon sale comme d'habitude. Vous trouverez, si je ne suis pas là, venez chez moi et faites le mélange suivant. 200 ml de stabilisateur, peu importe la quantité du produit final. 1 ml de 50 ml d'eau. Vous aurez tout ça, vous versez le luminol. Ah. Oui, attends. On va marquer tout ça. A est égal peroxyde d'hydrogène. B, 10 mais on va juste marquer 10 mais parce que sinon ça va être trop compliqué. C, stabilisateur. Et D pour l'eau distillée. Si vous avez un problème, n'oubliez pas que les bouteilles A et B sont identiques et leurs bouchons aussi. A est égal à B. Au niveau de la bouteille et du bouchon. Et du coup, tu fais comment pour les reconnaître? Tu mélanges, tu t'en bats les couilles? Alors, ce principe, c'est un nouveau mot, le principe, la principauté. C'est pas du cul. Rien. Rien. Je ne peux pas ouvrir ce meuble, il est verrouillé. Putain, et vous me faites chier, hein. Pourquoi ce monde où tout le monde a des portes verrouillées, des placards verrouillés? Si, je pense que ça doit être ça. C'est rien. En fait, je pense savoir pourquoi t'as pas entendu Ingrid. Parce qu'il faut vraiment jouer sur le son. Et vous avez peut-être moins meilleur son que moi. Moi, j'ai vraiment... j'ai vraiment le truc de folie, quoi. C'est la folie furieuse, hein. Ah ouais, d'accord. Il y a une pièce.
Non. Ah, je sais ce que je peux faire. Je lui donne à manger. Yes. Aïe, 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 aïe. Non, non, mais j'ai pas dit ça pour me la péter, hein, par contre. Oh, yes, ça, par contre. On aurait pu crever à cause de ça, hein, vous imaginez? On aurait perdu notre dernier personnage. Ça aurait été... Heureusement que j'y ai pensé à la fin, hein, parce que, putain, sinon on était mort. Hein. On dirait que Toulouse, un éléphant que Toulouse. Oh putain. Oh non, mais t'es sérieux? Attendez, documents. Celles de la colonne de droite sont de vieilles clés. Je les garde juste au cas où. D'accord, donc ça, ça sert à rien. La colonne de droite. On est d'accord que ligne, colonne. Il me semble que c'est ça. Alors, attendez, on va faire un schéma. Celles de la colonne de droite, donc toutes celles qu'il y a là, normalement, on les prend pas. Les clés en métal doré sont pour la porte de sécurité du magasin et pour les serrures. En métal doré, en métal doré... Métal doré, il y en a plein. Les clés carrées et en or et les clés noires en plastique sont pour les appareils et les instruments dans le magasin. Les clés ronds, mais du coup je récupère lesquelles? Clairement, il y en a 50 000. J'ai besoin desquelles, moi. J'ai besoin. Lequel j'ai besoin? Mais en fait, c'est bien beau de me dire tout ça, mais je sais pas lesquels j'ai besoin. Je crois pas que ce sont les bonnes clés. Mais t'as vu le nombre de clés qu'il y a? La petite clé, c'est sa mère, peut-être. Laquelle? Celle-là, là? Ah non, celle-là. Ah ouais, ok. Mais du coup, il en faut 3. Attends, il m'en faut une dorée, ça c'est sûr. La petite clé en or, et pour la boîte avec le truc de ta mère, mais ça je l'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Déjà il en faut 3. Il m'en faut... Ah attends, il y a une note derrière. I love Prague.
Déjà, la colonne de droite, c'est sûr, je la prends pas. Les clés en métal doré sont pour les portes de sécurité du magasin et pour les serrures. Donc déjà, il m'en faut une au moins. On va prendre celle-là. Les clés carrées en or et les clés noires en plastique sont pour les appareils et les instruments dans le magasin. Y a moyen d'avoir une information par rapport aux clés? Genre à quoi elles peuvent servir ou des conneries dans le genre? Non? Ok. Je sais pas pourquoi les deux là, je les ai pris alors que la même tout à l'heure. La clé verte et ronde en plastique est pour ta moto. La clé verte et ronde en plastique. C'est laquelle? Celle-là, là? La clé verte et ronde en pour ta moto, d'accord. Bon, c'est peut-être elle, j'en sais rien. Et non, pour la boîte de ta mère. Les trois autres sont pour la salle de stockage et les armoires où on garde beaucoup d'antiquités. Trois autres? Là, il y a des trucs triangles, c'est pas ça? C'est pas les bonnes clés. Les clés carrées, merde. En fait, déjà si je savais qu'est-ce que je devais prendre, enfin quelle clé je devais prendre, c'est déjà pas mal, non? Morceau de papier froissé, rapport de quart jour, rapport de quart nuit. Instruction sur les clés, il y a peut-être un truc à faire. Ah, vraiment. On prend ça. En fait, ce qui est chiant, c'est que je sais pas quelle clé je dois prendre. Déjà, il faut une en or. On va partir du principe que c'est elle. J'en suis sûr. Celle sur la colonne de droite, non, on n'en veut pas. Les clés carrées en or, on n'en veut pas. Clés noires en plastique, on n'en veut pas. Clés rondes et triangulaires en argent sont les copies que tu as faites pour la vieille vitrine. Bon, ça, on s'en fout un peu. Ok, donc ça, on s'en fout. Les clés vertes et rondes en plastique, c'est pour ta moto. Et la clé rouge en plastique est pour le coffre. On s'en fout. La petite clé en or est pour la petite boîte avec le truc de ta mère. La petite clé en or, donc il parle sûrement de celle-là. Toutes les clés comme ça, on n'en veut pas. Du coup, les clés vertes et tout, on n'en veut pas. Donc si on parle du principe que ça fait ça. Les trois autres sont pour la salle de stockage. Mais du coup, ça fait que ça. Waouh, moi je peux m'en pas comprendre. Hein. Yeah, ouais. On va mettre les clés les plus improbables ensemble. Peut-être les clés de stockage. Ah, tu penses que c'est les clés de stockage? C'est qu'il te faut des produits. Ouais. Du coup, comment je fais pour déterminer les clés de stockage? Les clés en métal coloré sont pour la porte de sécurité du magasin de serrure. En métal coloré, bah ça veut dire quoi ça, métal coloré? C'est-à-dire ça là. Ça techniquement c'est pas du métal coloré ça. Je pense. Les clés carrées en or et les clés noires en plastique. Ah d'accord. Les clés carrées en or. Donc tout ce qui est carré comme ça là, c'est pas à prendre. Ok d'accord. Donc ça veut dire que les clés carrées en or, il y en a pas. Enfin, il y a que des carrés ou des triangles. Là ça c'est pas de l'or. Donc ça veut dire que celle-là je peux la prendre. Et elle prend pas en compte dans les autres. Si j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Enfin, ce que tu me dis, il faut prendre les trois autres. Du coup. Les clés en métal coloré, donc ça, on prend pas. Les clés carrées en or et les clés noires en plastique sont pour les appareils et les instruments dans le magasin.
Donc techniquement, il me faudrait une clé carrée, pas en plastique et pas en noir. Techniquement, ça va être soit celle-là, soit celle-là. Mais là, il y a du plastique sur celle-là, donc c'est pas elle. Donc on va partir sur elle. Et verte, petite clé en or, donc elle sait pas ça. Et après, ce sera... Je pense, peut-être. Bon, déjà, je pense que ça doit être celle-là, peut-être. Attends. On va prendre celle-là. On va prendre... Déjà, c'est sûr, c'est pas celle qui se trouve là. Hein. Ou alors, c'est celle qui se trouve là, et en fait, je me trompe. J'ai toutes les combinaisons avec les deux clés là. Ça se trouve, je sais pas pourquoi, mais ça doit être ça. Oh, on les a. Trois clés trouvées dans l'appartement d'Erica Farber. Elles ouvrent la salle de stockage de la boutique. Oh yes. Trop bien. Ah, c'était tellement en moule shot, par contre. C'est n'importe quoi. On est parti sur un truc en mode c'est peut-être ça. Et finalement, bah, grâce à la chatte, à Natacha, on a réussi à se le faire, quoi. Simplement. On va rentrer là. Mm-hmm. Non. J'ai fouillé la pile de vêtements apparemment. Tellement peur à chaque fois que j'ouvre une porte. Y'a rien. Oh, y'a plein de trucs ici aussi. Il avait le même tas de vêtements dans sa chambre. Dans la chambre de qui? La mienne? Rien ici non plus. Ah, il y avait un tas de vêtements dans la chambre là-bas, là? Sérieux? Ah, peut-être qu'on y retourne du coup. Dans la chambre, il y avait les clés. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. On va y retourner, on va voir. Je pense que j'ai tout fouillé ici. Ah, là il y a un truc. Ah, petite clé. On dirait presque un jouet. Vert. Et du coup, la petite clé va nous permettre d'ouvrir la... Dans le... Vous m'avez compris ?
Cette bouteille m'a l'air utile. J'ai vu des gens utiliser ces trucs à la télévision pour retrouver les vieilles taches de sang. Je ne suis pas sûr que cela fonctionne, mais c'est la meilleure option dont je dispose. Ok, est-ce que je peux le combiner avec mon truc? Putain! Ça sert à rien ce truc. Bon, on a vu tout à l'heure qu'on était pas loin de la fin, hein, quand même. Donc, il n'y a plus qu'à croiser les doigts que je ne crève pas comme une merde avant la fin. Parce que là, il faudra tout recommencer. Et je peux dire que je serai triste. Très triste même. Donc j'ai ça que je peux utiliser, on peut même aller l'utiliser tout de suite. Chaque fois que j'ouvre une porte, j'ai peur. Vous imaginez même pas à quel point, quoi. Ça me fait flipper tellement je me dis, je peux crever. C'est où le truc où je peux me cacher? C'est là? Ah oui, c'est sous cette table. Je vois votre avenir, qu'est-ce que je vois? Quelque chose qui ne devrait pas être là. Ah bah super! Merci gros, tu me ravis, putain. Wesh, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un derrière moi. J'ai vu un visage. Je deviens fou, je crois. Je crois que je deviens fou. Je suis sûr d'avoir vu un visage, en fait. Moi, je deviens fou. Je deviens dingue. Rien vu. Non mais c'est moi, je deviens fou en fait. Laisse tomber. Regarde où est-ce que je suis pour me cacher le plus rapidement possible. Il faudrait que j'aille à droite et à gauche. Voilà. Mais non, j'ai dit à droite puis à gauche, putain. Ouais, je peux pas examiner de toute façon. Screw this.
it. I've got to hide. Là, c'est le moment où si je meurs, je... moi-même, je décède, en fait. Pour vous expliquer un petit peu ce que je dois faire, quand il y a un battement de cœur, faut que j'appuie sur espace. Les bonbons te font des effets bizarres. Ouais, je pense que ça doit être ça. Mais on va prendre ses esprits un petit peu là. Comment vous trouvez ce deuxième épisode par rapport au premier? Mais t'as vu, hein? Un truc de fou. En fait, on a un stress en plus qui s'est rajouté. Parce qu'on peut... si on meurt encore une fois, on a perdu. Donc, oh putain. Alors, attendez. 200 millilitres de stabilisateur. Eh, ma feuille, elle est où? Stabilisateur, c'est le C. Faut que je mette 200 ml de C. Comment je sais combien j'ai mis? Voilà, ça devrait aller. Un millilitre de... ah mais attends, mais ça se trouve, je sais... j'ai pas mis du tout ce... ça va où tout ça à la fin? Là j'ai mis 200 millilitres, mais ça se trouve ça va pas. 1 millilitre de dimethylamine et 2 millilitres de peroxyde. C'est lesquels? Peroxyde c'est le A, sauf que le A et le B ils ont la même bouteille et le même bouchon. Et le peroxyde, c'est lequel? C'est le A. Non, attends. Le dimétroslifolioxyde. C'est le D. Non, c'est le... non, c'est lequel? C'est le B. Et le A et le B, ils ont la même bouteille. Oh wow, attends, quoi? Chaud. Et le D, il faut combien? Pour combien d'eau distillée, il faut 50 millilitres. Non! J'ai tout pété. Ah, faudrait 200 millilitres dans le lavabo. Alors attends, il me faut 200... combien on a dit? 2 millilitres qu'il faut? 200 millilitres de stabilisateur. Donc, du coup, ça fait... on est à 300, donc il faut aller jusqu'à 100. Hop là, 200 millilitres. 50 millilitres. Ah, par contre.
Le mélange suivant. Par contre, j'espère que c'est pas dans un ordre précis, parce que 50 ml comme base et encore 50 ml si le mélange total fait plus qu'un demi millilitre. Ah ouais. C'est chaud. 1 ml et 2 ml de peroxyde pour chaque milligramme de luminol. C'est quoi putain le luminol? Ah, c'est ce que je fais au total, je crois. Ah ouais, c'est un peu de la merde. On va mettre 50 ml, là on est à 300. Attends, on a 100. Waouh, c'est chaud par contre. On arrive à se caler sur, sur le C en fait. Mettre comme ça. Ça va me saouler par contre. En millilitres, on est d'accord. Ah, c'est peut-être pas en millilitres. Comment je sais si c'est en millilitres? Fabrique une bombe. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'étais en train de me dire. On va remettre 200 ici. De 10 métros. En fait, ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont dit c'est les mêmes bouteilles. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est la même bouteille. Je sais plus où est-ce qu'ils ont marqué ça, mais c'est la même bouteille. Ils ont mis bouteille et bouchon, c'est exactement la même chose. Ah, moi je veux bien, mais. Mais D'accord. Ce qui m'étonne, c'est que je comprends pas en fait à quoi ça correspond. Remonte le document, yes. On a 200 ml de stabilisateur. Le stabilisateur, c'est le C. Je l'ai marqué. Ensuite, on a 1 ml de mitotoramochilosulfoxide. Et après, il y a 2 ml de peroxyde d'hydrogène. Pour chaque milligramme de luminol. Et le problème, c'est que le Ah, attends. Ça veut... Ah, putain, mais je suis con. On a 200 ml de stabilisateur. Ça veut dire qu'il faut que je mette 200 ml de dimotrolosataras. Vas-y, on va faire ça. Alors attends, là on a 525. Ça fait 25. 50. Non. Je vais m'arrêter à 225. En 25. Encore un peu. Voilà. Et là.
Ah, ça fait 300, pas 200. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai ouvert le truc. Bah lui, par contre, j'ai aucun dosage pour lui. Comment je fais, moi, pour savoir? En fonction des glouglous? On va dire que ça, c'est bon. Et lui, du coup, c'est combien? C'est 50 et 50. C'est un mélange, c'est plus qu'un demi-litre. Mais il n'y a même pas marqué les dosages. Déjà, on va mettre 100 là-dedans. Donc là, c'est 200. Oh, ça descend vite. Attends, je refais parce que c'est descendu un peu trop vite. Ça descend là vite ici, putain. Voilà. Là, on est à 525. Donc il faut que j'aille jusqu'à 300. Non, 375. Ah, vas-y. Pas ça en fait. Vous avez un problème, n'oubliez pas que les bouteilles A et B sont identiques et leurs bouchons aussi. Ça veut dire. Ouais, je les ouvre en même temps. T'as pas eu le temps? Non mais t'es sérieux? Vas-y, on va tester comme ça. Merde. Pas ça. Bah, c'est juste le truc pour vérifier si c'est bon en fait. Non, je pense qu'il faut vraiment que je fasse le deuxième. Mais des millilitres avec des milligrammes. J'ai vu ça où?
et test. Je ferais ça. Dans ce que tu demandes là. Jamais. Vas-y, on va faire ça. Hein. Attends, je reteste. Comme je faisais là. Je l'ai arrêté par contre. 225. Je vais arrêter là. Bruit tellement chiant, putain, en plus. Apparemment, ça marche pas comme ça. Attendez. Je teste tout. Genre beaucoup, vu qu'il faut pas beaucoup de lettres. Mais en premier, le B. Et le B, je sais pas s'il faut le mettre, c'est ça le problème. J'arrive pas à savoir s'il faut le mettre. En plus, je sais même pas s'il y a une marge d'erreur. Eh, ça m'en saoule. Que je mette le B. Je veux vite totalement, comme ça on est sûr. En fait, le B, je suis obligé de le mettre. Obligé de le mettre. Juste, comment tu fais pour savoir combien il y a dedans ou pas? C'est ça qui me saoule, en fait. Tu sais pas combien tu mets avec le B. Voilà, ça va me saouler, putain, ce truc qui me rend ouf, quoi. En plus, on est tellement proche de la fin du chapitre, là, ça me saoule. Un bruit, c'est une goutte d'eau. Oh, merci. Le D, tu en mets trop. Le D, j'en mets trop. Je mets ce que je sais que qui est sûr. Le A, je le fous à 225. Je vais compter le nombre de glouglou. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ok, donc un glouglou, c'est genre 50 centilitres. Du coup, lui, c'est quoi?
Oui, il me faut 4 glouglou du coup. 20. 50. 60. 100. 150. 200. Putain, ça fait 5. Mais non, ça fait 4. C'est pas... Toi qui sais pas compter, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 7, 8. Alors là, j'en ai mis que 4. Oh, j'en ai mis trop là, je crois. Oh putain, je serais deg. Et là, du coup, je mets. Là, je mets ça. Là, je mets 2. Ah, c'est bon. Putain. Maintenant, il faut que je trouve un moyen pour transporter ce truc. Mélange est prêt, mais il me faut quelque chose pour le transporter. Alors, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour le transporter? Du coup, c'est bien beau, mais... Lol. Ah, mais oui! Attendez! Utiliser. Yes. C'est bon, putain. C'est bon, ça. Détective privé. Je sais plus où faut que j'aille. Mon chip cheat. J'ai tellement peur d'ouvrir une porte et de crever. Ça me fait tellement peur. On est à la fin là. Je sais même plus où est-ce que je dois aller avec ça. C'est où que je dois mettre ça? Ah, déjà tout pété tellement que j'aurais eu de la... que j'aurais pas eu de patience. Je sais plus. Alors ça par contre jamais j'y retourne à cet endroit. Je sais plus où je dois aller par contre. Il y a un endroit où il y a du sang. Je sais plus. Dans la cave, peut-être. Loin, c'est pas là. T'approche pas de moi, t'approche pas de moi, t'approche pas de moi. Dégage. J'ai cru entendre des voix.
Non. Il n'y a rien. Calme-toi, par contre. Là, par contre, il y a eu des voix. Shit. Oh, il y a un truc là, non? Ah non, c'est un buste. On va attendre que la musique se calme. Qu'est-ce que j'entends là, bordel de merde? J'aime pas ce son là. Oh putain de merde. Oh miséricorde. Oh miséricorde.
shit. Oh shit. Tel compliqué. Du coup, ça sert à rien de revenir par là. Pas déjà venu ici. Je serais pas en train de tourner en rond là. Putain, je crois que je tourne en rond. J'ai plus mon chip shit. T'es sûr qu'il panique ton type? J'en sais rien, mais moi ouais. Je sais pas si mon type il est paniqué, mais moi c'est sûr que je le suis. Hein. Du coup, faut que j'aille où maintenant, moi? Il y a sûrement un endroit où je suis pas allé encore. Utiliser la... le pied de biche. J'ai tellement peur, putain. Thank you.
elle a trébuché sur un truc, j'ai eu peur. J'ai dit ça y est, c'est la fin pour moi. Je vais encore une fois crever. Ah mais la porte tout au bout, je peux peut-être l'ouvrir. Rappelez-vous la porte là-bas maintenant, je peux peut-être y aller. En utilisant le pied de biche. Let's see what's actually there. Oh fucking hell. God damn it. Ah. There was father. On a fini l'épisode. I don't even want to think about what must have happened in his final moments. As he was hanging from that noose with the bloody music box on the table. I don't want to think about it, but somehow, very deep within me, I know the song was playing throughout his agony, stalking him to the very frontier between life and death. God. At least we had found the music box, and we knew where it came from. Le Grand Amesburg Auction, it said, on the list of product lots, alongside an address. According to Husha, things had improved after returning the box to Faba. So by returning it to its owner, perhaps we might be able to solve all this. It sounded unlikely, but considering my hallucinations, the things we found at the antique shop and Mr. Faba's terrible end, if it could all come to some good, we had to try it. Isolated far from the world, in a holiday manor that must be about 100 years old, the lady who owned the sinister box awaits. Le jeu promet une grosse durée de vie quand même, hein. Parce qu'on a quand même passé 4 heures sur l'épisode 1. Bon, après, c'est parce que je suis nul à chier en tout ce qui est énigme et tout. Mais on a passé 4 heures sur l'épisode 1. Et on a passé 3h30 sur l'épisode 2. Il y a 5 épisodes au total. Ça promet une grosse durée de vie pour le jeu. C'est cool. Some of the people from my group therapy, yes, perhaps, but an elderly woman approaching the age of 90. I don't know. The papers from the auction stated that the owner had sold most of her furniture, but that she still lived here. Mr. Grant? Hello? This place gives me the creeps. Hello? Are you Miss LeGrant? Ariadne LeGrant? Amesburg. Pardon me? LeGrant Amesburg. It's hyphenated. Oh, well, my name is Daniel Neuer, and I work for a publishing firm. Through a series of chance occurrences, I found something I believe is yours. It seems crazy. But when you listen to it... That's its box. No, I think it belongs to you. On the cover, it says... I wasn't speaking to you. Thank you for bringing it back, Mr. Neuer. Have you listened to it? Yes. He has listened to it. Thanks for giving me a place to stay. I think the walls would come closing in on me if I were alone. It's no trouble, Dan. You're going to be paying for any pizza, though. Of course. You can sleep in your bed. I'll stay here on the couch. Thank you, Your Majesty. Have a good rest, Sir Daniel. You too. Va se passer un truc. Hey, Lydia. Daniel, are you all right? That had not been a nightmare. I was awake, for certain. It was a hallucination. A hallucination like those described by Faber in his letter.
shortly before hanging himself from a beam in his office. A hallucination. Or something worse. Much worse. Had it done any good to return the music box to its owner? Husha might have the answer, but his whereabouts was still unknown. And his trail seemed to have gone cold as the days passed by. Perhaps in his office, somewhere in his papers. Among the documents he was researching while delving into the box's origins. Maybe there would be some clue in there as to where he had gone or what he had done. Something that would help us to follow his footsteps. I had to find Sebastian Husha, but this time, my life depended on it. Je retire ma webcam pour vous laisser savourer la vidéo pile à la fin de la vidéo. C'est... On adore le principe, on adore le truc. Bon, et ben dis donc, l'histoire avance, c'est plutôt pas mal. On apprécie, on apprécie. Choisir partie, qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est tout simplement ça. Ok. Ben, moi j'ai juste kiffé quoi en fait. C'est génial. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce deuxième épisode? Honnêtement, c'est une tuerie quoi. Troisième épisode qui... Oula, pardon, ça m'a jarté du jeu. Troisième épisode qui sort au mois de décembre. Normalement le 13 décembre. Donc là, on se retrouvera dans ces environs pour continuer notre épopée. Bien entendu, sur ce jeu. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Oui, il se fait quand même 1h30, donc je vais rien faire d'autre. On va juste faire ça, enfin, on va juste arrêter calmement et puis arrêter le live par la suite. Comment vous l'avez trouvé, vous, cet épisode? Comparé à bon, ceux qui n'étaient pas là au premier, du coup, voilà. Épisode 3, je pense, à ce que j'ai compris là, c'est qu'il va falloir sauver notre perso. Bon, en fait, je pense que là, il va falloir sauver notre perso dans les 3 prochains, parce que je pense que jusqu'à l'épisode 5, ça risque d'être très compliqué. Il risque d'avoir pas mal d'action, pas mal de stress également. Je pense que l'épisode 5, on aura moins de stress, on aura plus d'action. Enfin, action. C'est pas non plus un jeu d'action, quoi, vous m'avez compris. Falloir se dépêcher, il y aura peut-être des explosions, on sait pas, des objets qui vont sauter dans tous les sens, on sait rien, mais on verra, on verra. En tout cas, le prochain épisode s'appelle, comment il s'appelle? Un sentier sinueux, donc on sera peut-être totalement à l'extérieur, vu le nom de l'épisode. Est-ce qu'il y a moyen de voir des images? Il y a peut-être moyen de voir des images, attends. Tac, tac. On peut voir des images de l'épisode. On peut voir des images. Déjà, il y a une histoire de main coupée. Il y a peut-être un nouvel élément de gameplay. Des monstres qui nous attraperaient les pieds. Ça pourrait être sympa. Le diaporama, on dirait une sorte de musée. On sera peut-être dans un musée, du coup, pour l'épisode 3. Ok, ok. T'as fait 2 clips. Yes, merci. Merci, merci. De toute façon, ouais, les clips, comme je l'ai dit, les clips, ça me permet de pouvoir vous proposer une vidéo spéciale avec les clips que vous avez fait. Donc, n'hésitez pas à défoncer le bouton pour créer des clips. Comme ça, vous aurez rapidement de nouvelles vidéos spéciales clips que vous avez créées. Voili, voilou. Bref, en tout cas, nous, on va se laisser là pour aujourd'hui. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. En tout cas, pour voir cet épisode 2, je rappelle que demain, on va commencer du coup Dead Space 2. Et qu'après, bah, je ne sais pas trop ce qu'on fera dans la semaine, mais on fera du Dead Space, on fera d'autres choses. Mais en tout cas, c'est sûr que demain, déjà, on commence Dead Space 2, comme on a terminé le premier hier. Donc, pour la logique des choses, comme je vous avais dit, on continue dans la logique. Merci pour la diffusion, j'adore ce jeu. Quel jeu? Song of Horror? Il est génial. Franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie, ce jeu. Voili, voilou. Allez, sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin. Et on se retrouvera du coup demain pour un nouveau live ou sur Discord ou n'importe où. N'hésitez pas
vous avez envie de parler de quelque chose, de tout, de rien, regarder une émission sur je ne sais plus quelle chaîne, je crois que c'est C8, sur les événements paranormaux. donc voilà, allez, sur ce, portez-vous bien et à bientôt, tchuss tout le monde.